Virus se promène un peu partout sur le site. Un rassemblement important attire son attention. On y joue à échelle serpent, mais grandeur nature. Pour chaque case, 20 au total, il y aura une question testant vos connaissances sur le Moyen-Âge. Après 3 mauvaises réponses, vous êtes retiré du jeu. On peut voir maintenant le jeu à l'écran, mais il manque encore certains éléments importants pour pouvoir reconnaître un jeu d'échelle et serpent. Moi, le narrateur, je suis choqué que des caleçons s'affichent ainsi sans raison dans une œuvre aussi importante pour la crédibilité du projet. Je tiens à tirer au clair immédiatement toute cette affaire de caleçon. Les gens sont tous curieux, mais les participants jamais nombreux à cette activité.
Même les spectateurs doivent avoir une bonne dose de courage, de folie et de témérité pour accepter d'être perchés dangereusement à flanc de montagne. À cette hauteur, les vents sont violents et imprévisibles. Même le plus habile des ballons peut facilement se rompre la membrane et se vider de tout son air. Pour ce qui est des participants, nous disions tantôt qu'après 3 mauvaises réponses, vous étiez définitivement retiré du jeu. La trappe sous votre numéro de case s'ouvre alors et les grands vents vous aspirent. Par contre, si vous remportez la partie, de beaux prix vous attendent. Pour chaque case, le crieur proposera à Virus une question avec les choix de réponses vrai ou faux. Pour lancer le dé, Virus sort les bras de son ballon.
Je t'ai attendu bien longtemps, bravé les froids et les vents.